On est au bazar. Des tenues traditionnelles. Tu ne peux pas le faire. Original, ça va en vrai. Les bandes dorées vendues au franc. Là aussi. Eh bien, on se déchausse, enfin, du moins on essaye. On met les chaussures à l'extérieur. Ou on les laisse comme Jade et les locaux à l'entrée. Et on arrive à un temps quand on ignorait l'existence. Il s'enlève? Oui, oui. Bonjour. Vous, madame? Hein? Yes. Madame? Madame? Ok. Alors on est au Stepwell Panamena. On n'a plus le droit de descendre sur les escaliers. Mais c'est assez drôle comme structure en carré. Pour vous donner un aperçu, il y a Julien et Jade qui sont au niveau de la guérite. Là-haut,
c'est une partie du fort qui est à côté du fort d'Ambre qu'on a été visité tout à l'heure. Ça y est, le début d'Oli a commencé. Se déchausser, donc on vient de le faire. Alors le problème c'est qu'il y a déjà de la poudre de couleur, donc les pieds vont être dans un état. Yeah.
temple. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis fait attaquer. Non, ils vont tous souhaiter un happy Holi. C'est demain normalement les couleurs. Feu qui se prépare pour ce soir en plein rond-point. On va tracer des bandes de couleurs. Il n'y avait pas ça il y a une heure. L'un de ceux qui a fondu les animaux, ils ont lancé des bouquets de maïs partout. Donc il y a énormément de pigeons. Et puis il y a des chèvres aussi. Et puis bien sûr, les vaches. Holika, donc c'est la veille de Holi, la fête des couleurs. Holika, en fait, ils font comme un feu de la Saint-Jean, si on veut, chez nous. Donc il y a tout un processus que nous, on a du mal à comprendre, mais de rituel où on a vu qu'ils arrosaient le feu avec je sais pas quoi. Ils faisaient un certain nombre de tours pieds nus autour du futur feu. C'est l'occasion, là en l'occurrence, de tout le petit village de se regrouper. Et bientôt le feu va être allumé. Oui, ils allument du feu chez eux avec la. Little. No, bigger. Yes. Very little. Very little. Ah, no. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes en Inde, nous fêtons Holi. On a trouvé des amis qui ne craignent pas trop les couleurs. Oui, parce que normalement, vous vous demandez si il y a la journée des couleurs et pourquoi on est habillé en blanc. On a fait un nouveau t-shirt pour que on en ait un moins. Et là on a les couleurs violet, jaune et rose pour l'anniversaire de maman. Et il y a la musique. Alors on vient de sortir de l'hôtel et il y a les enfants du quartier qui nous attendent pour nous colorer. Alors Jeanne. C'est de la fumée. Bon, on est sorti de l'hôtel. Voilà le résultat en 2-2. On s'est fait piéger par les premiers enfants. Voilà, c'est sympathique. Avec un peu de musique. Oui.
When you're low and your knees can't rise,